dans le cadre des projets que j'ai eu à gérer sur les aménagements d'autoroutes en service, j'ai constaté que le déplacement des véhicules générait de la création en fait, de courants d'air. Et j'ai eu l'idée d'essayer de récupérer ce déplacement d'air pour produire de l'énergie, pour l'utiliser après dans le cadre des chantiers. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Chevalier de chez Verteol, qui lui développe des éoliennes verticales. Et il m'a expliqué que ce type d'éolienne pouvait répondre à mon besoin. Et donc on a eu l'idée de développer justement ce mât éclairant autonome qui a l'avantage de récupérer le déplacement d'air généré par les véhicules pour le transformer en énergie aérolique et ainsi alimenter un mât éclairant. Et donc on a été amené à construire le mât éclairant que vous voyez derrière moi qui permet justement d'éclairer certaines phases de chantier avec des énergies renouvelables. La remorque elle est constituée de deux éoliennes verticales et de 16 panneaux solaires. Donc aujourd'hui c'est un prototype, elle a été conçue pour être autonome pendant plus d'une semaine. Et donc là l'objet de l'expérimentation, puisqu'on n'avait aucun retour sur la quantité d'énergie qu'on pouvait récupérer avec uniquement les éoliennes pour alimenter le mât éclairant. Donc on a rajouté des panneaux solaires afin de sécuriser et d'être sûr d'avoir tous les soirs, du moins pendant toute la durée de la nuit, l'éclairage suffisant. Et donc là, tout l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de réduire la quantité de panneaux solaires et également peut-être voir réduire le nombre de batteries, puisqu'il y a 4 batteries au lithium à l'intérieur. Et donc c'est réduire un petit peu tout ça pour réduire l'encombrement de la remorque et privilégier un maximum l'énergie aérolique plutôt que l'énergie solaire dans le fonctionnement de ce mât éclairant. Globalement, pour les agents routiers, pour le personnel d'exploitation de l'autoroute, c'est un produit qui les intéresse fortement, puisque dans le fonctionnement d'avant, on utilisait en fait un mât éclairant qui était alimenté avec des groupes électrogènes, et ils étaient obligés de venir faire le plein des groupes électrogènes tous les soirs, allumer le mât éclairant le soir, venir l'éteindre le matin. Alors que là, l'avantage de cette remorque, c'est qu'ils l'installent le lundi en début de balisage, et elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle s'allume toute seule le soir quand la nuit tombée, elle s'éteint le matin, et elle se recharge grâce au déplacement d'air généré par les véhicules, et grâce à l'énergie solaire. Et donc pour eux c'est un gros gain puisqu'ils l'installent le lundi matin, ils la récupèrent le vendredi et il n'y a aucune intervention qui est nécessaire pendant toute la semaine où il y a le balisage qui est en place. Donc cette remorque est aujourd'hui utilisée dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute A71 entre donc Vierzon et Théier, donc c'est entre la bifurcation avec l'autoroute A20 et la bifurcation avec l'autoroute A85. C'est un chantier d'élargissement de 5 km où l'autoroute est aujourd'hui à 2x2 voies et le projet c'est de la passer à 2x3 voies d'ici fin 2015.